Et bien bonjour à tous les amis, c'est Nick, comme t'allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi personnellement, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, pour de quoi on somme. Enfin, le teaser trailer du chapitre 3 de Poppy Playtime. Donc on va regarder ensemble, on va tout de suite regarder ensemble le premier trailer. Et juste après, on déterra bien sûr notre trailer. Donc c'est parti. Eh ben les gars, franchement, le teaser est vraiment épique déjà, et en plus il commence à faire un petit peu flipper déjà, ça donne vraiment envie les amis. Donc on a pu voir pas mal de petites choses sur ce trailer, parmi les choses qu'on a vues, donc on va remettre. C'est parti. Donc là, on peut apercevoir, je crois que c'est le train. Ouais, il me semble que c'est le train avec lequel on est parti, qui a déraillé, qui a commencé à prendre feu. Donc on voit qu'il y a des flammes, il y a du feu. Je crois que c'est bien. Je pense bien que c'est le train. Il me semble, oui, parce qu'on reconnaît un peu la zone où on a déraillé. Après on avait eu quoi, voilà, petit play care, on a une porte avec marqué play care pour la garderie, donc c'est la prochaine zone où on est arrivé. Ce que je vous souviens, au chapitre 2 on avait déraillé avec le train et on avait un panneau marqué play care, et du coup ça va se passer en fait dans la garderie. Donc ensuite là on peut voir un couloir avec donc une porte, des lits, donc des dortoirs, donc pour la playcare, donc je pense que c'est les dortoirs pour les enfants. Alors là on peut voir, on peut apercevoir Oogie Woogie décapité, donc il n'y a plus de tête, des traces de sang, une peluche là aussi qui manque la tête. Donc on pensait que Oogie Woogie allait revenir dans le chapitre 3, mais en fait du coup il ne sera plus là puisqu'il a été décapité. Souvenez-vous, je pense, par l'expérience, je sais plus, 006 ou 07, je sais plus. Là, en plus, on peut voir qu'il y a un cadre photo avec un enfant dessus. Je sais pas qui c'est que ça peut être.
En plus, on peut apercevoir aussi des griffes, donc des rainures de griffes, des griffures, sûrement du protagoniste qui va arriver, donc qui sera le prochain. On a pas les griffures sur un mur avec un dessin d'un enfant. Time for bed, donc direction le lit, je pense que c'est-à-dire l'heure d'aller au lit, avec trois dessins d'enfants. Je sais pas ce que c'est, ça peut être un monstre. On peut avoir pas savoir la lune, mais avec un petit morceau déchiré, donc je pense qu'il y avait quelque chose d'écrit aussi là, mais on verra bien. Ensuite, on a un téléphone, donc un téléphone, je sais pas à quoi il servira, mais c'est sûrement pour la décoration, toujours bien sûr, en plus toujours des griffures, donc on peut toujours percevoir des griffures, mais ça commence à devenir un peu glauque, donc les amis. On a hâte d'avoir le trailer officiel, donc franchement le vrai trailer, le trailer de la game, voir. Alors on pourra apercevoir un cadre avec un enfant, des griffures sur une porte, plein de petits mots écrits. En fait, il y a deux photos d'enfants. C'est des enfants qui étaient dans la garderie, donc je pense que c'est des enfants qui sont partis disparus ou qui ont été, je sais pas. Là, on a pareil. Les dessins. Donc on a Just Like Mommy and the Dirty Before. Donc Mommy, on voit qu'on a parlé de Mommy. Il parle de Mommy et Daddy. Référence à Mommy l'anglais, c'est Daddy l'anglais, je pense. Give Me Nightmare, donc de la purge, je pense. Là, on a un petit dessin d'un petit bonhomme, je crois, d'un clown, si je dis pas de conneries. Avec je sais pas écrit, je sais pas, Me New Friend, je pense. Avec toujours plein sûr des griffures. I live to serve et to salvation. Ça commence à être vraiment assez glauque. Là, on voit pareil une autre page avec toujours des lampes, des petites bougies, je pense. Toujours des griffures. Il y a vraiment pas mal de petites griffures. Ce qui nous apporte à vraiment pas mal de choses. Ah là, on peut apercevoir la tête de Huggy Wuggy qui fait un peu peur, qui est encastré, je crois, dans une corde. Je sais pas comment il est encastré, si c'est une corde ou un bout de métal, mais on sait qu'il a été encastré là-dedans, la tête. Donc on peut dire que Huggy Wuggy ne sera plus parmi nous. Peut-être on verra peut-être la tête dans le chapitre 3, on verra bien. Du coup, ensuite là c'est un petit peu sombre, on voit pas ce que c'est, mais il y a vraiment pas mal de petites choses. On peut apercevoir un bras, je crois, un bras, je sais pas ce que ça peut être, mais bon, on verra bien le jour J quand ce sera le let's play, où on verra peut-être ça va nous faire avoir pour le gameplay, donc le trailer du gameplay, mais. Ça envoie du lourd. Ensuite, on a encore des petits messages donc gravés sur les murs. Mais franchement, quand on voit ça, ça donne vraiment envie et ça fait vraiment un petit peu flipper. Ils avaient prédit que le chapitre 3 serait un peu plus long que le chapitre 2 et 1. Donc le chapitre 1 qui était assez court, le chapitre 2 était un petit peu long. Donc le chapitre 3, on doit s'attendre qu'il soit assez long. Donc on verra bien. Que ça va donner. Donc on a toujours les petites griffures. On va les faire tout le temps. Attention. Et là on peut apercevoir. Là on aperçoit des griffes, une main avec des griffes. Donc c'est sûrement le protagoniste qu'on voit. Là on voit des yeux. Et là quand on voit les yeux, ça commence à faire un petit peu flipper. On voit maintenant, on voit du gaz rouge qui apparaît, donc le qui va être pour chapitre 3, puisque vous savez qu'on aura peut-être on aura un masque à gaz. Mais quand on voit, alors là, on s'y attendait pas. On voit les yeux, on voit une tête, donc avec les yeux, je
pense que ça doit être le protagoniste, là, le futur protagoniste du chapitre 3 avec qui on va devoir attendre, avec qui on va devoir se faire, qu'on va devoir faire affaire, qui remplace Momie l'Anglaise, puisque vous savez que Momie l'Anglaise, on l'a assez fait broyer dans le compacteur du chapitre 2. On verra bien ce que ça va être, mais ça fait flipper, avec le gaz rouge, chapitre 3, chapter 3, Deep Sleep. Donc Deep Sleep, je pense que ça veut dire garderie, sommeil, je pense, je sais plus. Mais bon, ça passera toujours dans la garderie, bien sûr. Et attention, on va s'attendre, on n'a pas une date officielle, mais on a un jour que ça sortira. Ça sortira en hiver 2023, les amis. Donc winter 2023, donc en hiver 2023, donc ça sera au moins en hiver, donc peut-être pour le mois de décembre, parce que ça peut être que au mois de décembre l'hiver qui arrive. L'hiver, je pense, c'est au mois de octobre, novembre ou décembre, donc on va ça voir. Ou alors winter 2023 hiver pour le chapitre, pas le peut-être le trailer, et en 2024 le trailer, on pense. Mais bon, on verra bien. On attend vraiment avec impatience ce chapitre 3 qui va arriver très vite. Donc les amis, restez à l'affût, on va être ensemble bien sûr. Je suis sûr que je ferai une vidéo dessus. Soit en vidéo, soit en live, je ne sais pas encore, mais on verra bien. Donc les amis, ce chapitre 3 de Poppy Playtime, teaser trailer est vraiment extraordinaire, magnifique. Ça avait été annoncé par Mob Games qui sortirait le 26 juillet. Et eh bien, il est sorti le 26 juillet. Au moment que je tourne cette vidéo, on est le 26 juillet et le trailer est sorti, le teaser. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Limec. Portez-vous bien. Ciao!